petite vidéo en retard de la semaine. Les produits terminés, donc le sac est quasi archi plein. J'ai pas eu le temps cette semaine du tout de vous faire cette vidéo entre le travail, une formation, la maison, les enfants, les courses, etc. C'est toujours très très chargé. Donc là, je décide donc de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer les produits terminés et vous dire tout simplement ce que j'en pense. Donc il y a pas mal de petites choses. On va commencer tout de suite. Une lessive de la marque Formil, la marque de chez Lidl. Celle-ci, c'est au savon de Marseille. Alors, elle sent énormément fort le savon de Marseille. Faut vraiment pas en mettre beaucoup parce qu'elle sent vraiment très très fort. Donc, pour les personnes effectivement qui n'aiment pas le savon de Marseille, à éviter du coup pour le coup. Mais ça sent super bon le savon de Marseille. Ça sent le propre. Elle est vraiment très très bien. 40 lavages, j'ai adoré. Des microfibres que j'ai acheté chez Action. Ceci, c'est miroirs et windows, donc pour les miroirs et les glaces. Franchement, ils sont tip top ceux-là. C'est des nouveautés chez Action, donc il y en a deux à l'intérieur. Super absorbant, texture microfibre, etc. 35 par 35, ils sont vraiment très très bien. Un dentifrice de la marque Colgate, donc triple action. Donc très très bien celui-ci, c'était un déstockage chez Carrefour. À 70 centimes, j'en avais pris plusieurs. Un autre dentifrice, celui-ci de la marque Signal Crystal Gel. Alors celui-là, il est vraiment très très bien, j'adore aussi. Il rend vraiment les dents blanches et une haleine vraiment tip-top aussi. Du papier toilette de la marque Formil, Floralis. Là, c'est de chez Lidl également, hein, du papier toilette. Donc, quand il n'y a pas de promo, je prends celui-ci. Il y a 24 rouleaux pour 4,10€, me semble-t-il. Et il est vraiment très, très bien. Soupline, mon produit préféré. Soupline à la noix de coco. Donc, comme d'habitude, je rachète à chaque fois. J'ai terminé un Sanitol, ça fait longtemps que j'en avais pas acheté, désinfectant multi-usage, donc je prends toujours le produit rose de chez Action, mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien le Sanitol, là il était en promotion, donc là c'était pamplemousse et citronnelle. Un produit pour la vaisselle de la marque Visior, donc là c'est de la marque Repair, fruits rouges et fleurs, franchement il sent divinement bon. Les fruits rouges, limite on croirait que c'est un gel douche. Il dégraisse vraiment très très bien. Je l'avais eu en promo, c'était un acheté, le deuxième à moins 80%. Ça valait vraiment le coup, j'en ai pris plusieurs. Donc très très bien. Le super film qui remplace le Rio Bleu, Twig Bleach en 750 ml. Il est vraiment super ce gel WC pour 75 centimes chez Action. N'hésitez pas, foncez. Un déodorant de la marque Sien Men, déodorant séduction, vegan, sans microplastique, 200 ml, il coûte 99 centimes. Franchement, ils sont vraiment très très bien, les déos de chez Lidl pour hommes, impec. Une recharge pour mon Airwick dans les toilettes, celui-ci c'était une édition limitée, Paradise Moment. Une odeur très très agréable, une odeur de fruits, de fleurs, etc. Ça sent l'été, ils sont vraiment très très bien ceux-là de chez Action, j'ai adoré. Toujours de la marque Sienne, cette fois-ci c'est les multisurfaces, donc les lingettes par 80 et là c'était fraîcheur océan. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, j'ai acheté un pack au citron et un pack fraîcheur marine, donc très très bien. Du sopalin de la marque Foxy que je trouve également chez Leclerc, toujours en promo, ultra absorbant, triple épaisseur, il est vraiment tip top celui-ci. Un gel douche de la marque Fa, celui-ci c'est le Hawaii Love Pineapple Ananas, génial, j'adore, ça sent trop trop bon. Donc ça j'avais dû les acheter chez Stokomani. Une petite bougie Febreze Candle, donc là c'est pomme, édition limitée, comment on appelle ça, Spiced Apple, c'est une édition limitée de Noël, hein, voilà, donc c'est pomme gingembre, pomme, je sais plus quoi, vous savez les pommes avec la cannelle, voilà. Donc très très bien, les petites fébresses comme ça. Donc elles arrivent après dans les actions, hein, c'est Noël, mais du coup voilà, je l'ai eu il n'y a pas très très longtemps.
un lot de deux éponges de la marque Spargo pour la salle de bain. Très très bien. Voilà. C'est celle-ci. Donc parfait. J'ai terminé un démaquillant douceur pour les yeux de la marque Diadermine. Contient aux yeux sensibles. Il est vraiment bien celui-là. C'est un format 125 ml. L'odeur est vraiment tip top. J'ai bien aimé. Pourquoi pas racheter. Une autre bougie, cette fois-ci, c'était de la marque Glade. Celle-ci, c'était à la rose, me semble-t-il. Donc, très très bien également. Des petits disques à démaquiller de la marque Sienne par 140, donc très très bien aussi. Des lingettes pour les toilettes au citron que j'achète chez Action. Celles-ci, elles sont vraiment très très bien également. Un sachet de vanille blanco pour la lessive de blanc. Donc comme d'habitude, une lessive, un sachet. La dose vraiment idéale. Un autre fa, celui-ci, c'était le Sensual Oil. Très très bien également, c'est à l'huile d'argan et au parfum de Monoi. C'est un format 250 ml et je crois que je l'avais eu également chez Stokomani. Et pour terminer, j'ai fini la CC Crème de chez Herborian. Donc comme d'habitude, j'adore. Et là, du coup, j'ai mis en route la BB Crème de chez Herborian. Donc là, il faut que j'aille en racheter parce que je n'ai plus de stock d'avance, tout simplement. Donc la CC Crème en teinte claire, je sais pas, elle a dû me faire 3 mois à peu près. Hein. Donc on met vraiment une petite noisette. Et franchement, je n'utilise plus que ça. Je ne mets absolument plus de fond de teint. Voilà, voilà, cette vidéo de produits terminée est finie. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez utilisé les mêmes produits que moi et ce que vous en pensez. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.